Cérémonie de remise des kits sanitaires aux organes des médias de Bamako par la MINUSMA dans le cadre de la riposte contre la COVID-19 ce vendredi 29 janvier 2021. La CENI et les partis politiques ont entamé des échanges sur la relecture de la loi électorale. Quel est l'objectif visé par les acteurs en charge des questions des élections? Des éléments de réponse dans cette édition. Signature d'un contrat entre le réseau social WhatsApp et Facebook à partir du mois de février. Objectif, permettre aux deux réseaux d'avoir accès aux données personnelles des utilisateurs. Malik Konaté, blogueur, nous explique les avantages et les inconvénients de cette collaboration. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, la MINUSMA a doté les organes des médias de la ville de Bamako en matériel de prévention et de protection contre la maladie à coronavirus. La remise a eu lieu ce vendredi 29 janvier au siège de la MINUSMA en présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Suivons les reportages. Cette cérémonie de remise des kits sanitaires a été initiée par la MINUSMA pour aider les hommes de médias à se protéger contre la maladie à coronavirus et multiplier la sensibilisation de la population afin de contrer cette pandémie. C'est donc qu'on prend des seaux pour le lavage des mains et du gel hydroalcoolique. Au nom des récipiendaires, Bandjougou Danté, président de la Maison de la Presse, a exprimé toute la reconnaissance à la MINUSMA. Nous estimons que ces dons d'équipement de lutte contre la maladie à coronavirus aux hommes de la presse est une symbolique assez importante parce que ce geste vise non seulement à demander aux hommes des médias de se protéger contre la maladie, de protéger également les autres contre la maladie, mais aussi et surtout de multiplier les efforts que l'ensemble de la presse effectue tous les jours pour sensibiliser et informer les populations par rapport aux dangers que cette maladie peut représenter. Nous vous remercions beaucoup et nous vous promettons que bon usage sera fait de ces équipements. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Saleh Anadif, affirme que ce don s'inscrit dans une action de solidarité et de sensibilisation contre la propagation de la COVID-19. Je me félicite de ce travail en commun que nous avons engagé et qui a permis de limiter les dégâts de COVID-19. Il me plaît à ce niveau de rappeler que l'appui de la famille des Nations Unies, certes, a été immédiat, mais je réitère également notre entière disponibilité de poursuivre cet accompagnement. Pendant ces temps difficiles que nous traversons, je tiens particulièrement à féliciter la presse malienne pour son comportement professionnel et responsable. Et je constate le professionnalisme qui l'anime. Aujourd'hui, le monde entier parle d'une seconde phase ou vague de contamination avec une nouvelle donne qui doit davantage nous interpeller et nous amener à changer nos habitudes en respectant davantage les mesures barrières. Le virus, dit-on, serait en train de muter vers des versions encore plus difficiles, plus compliquées. Nous devons donc continuer toujours d'être très alertes et œuvrer chacun à son niveau à la maîtrise de ces cas de COVID-19. Afin de combattre efficacement cette recrudescence de contamination par le virus, la MINUSMA a décidé d'inclure dans son appui les acteurs du paysage médiatique à Bamako, mais aussi dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao ainsi que Menaka. Il est constitué de 1500 masques lavables, plus d'une centaine de dispositifs de lavage de mains, un certain nombre de petites et de grandes bouteilles, pour un usage collectif dans les salles. Pour terminer,
Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a d'abord remercié les hommes des médias pour leurs engagements en cette période de pandémie, a ensuite témoigné toute l'importance que la MINUSMA accorde à la presse malienne et prône l'application des mesures barrières contre la COVID-19. Nous sommes réunis ce matin pour saluer votre appui à la presse, touchée de plein fouet par les conséquences de cette pandémie. Au-delà des kits de prévention contre la COVID, il faut voir dans ce geste de la MINUSMA un appui à la famille médiatique malienne pour qu'elle puisse continuer à évoluer dans un environnement sain. Je suis convaincu que ce soit ici à Bamako, dans les régions où les radios communautaires n'ont pas suffisamment de moyens, cette donation fera la différence. C'est le lieu pour moi, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, comme vous l'avez si bien mentionné dans votre intervention, de saluer la presse malienne pour sa maturité dans le traitement des informations en général et spécifiquement dans les informations liées à la COVID-19. Elle a démontré, si besoin était, qu'elle peut, sans intrusion, jouer sa mission de service public. Les langues nationales ont été utilisées et cela a permis d'amplifier les messages afin de sensibiliser le plus grand nombre de Maliens. Merci aux médias publics qui ont aussi joué et qui continuent de jouer leur apparition dans la vaste campagne de sensibilisation, de transition et de sensibilisation initiée par le gouvernement de transition à travers le département que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Distingués invités, comme vous le savez, la deuxième vague de la pandémie est aujourd'hui fulgurante et plus dangereuse. Avec de nombreuses variantes décelées, ça et là. C'est donc le lieu de vous inviter ensemble à redoubler de vigilance et à intensifier l'excellent travail de sensibilisation que vous avez déjà commencé. Depuis le début de la pandémie au Mali, la mission onusienne est engagée aux côtés du gouvernement et des autorités locales pour les efforts de riposte contre le virus. Pour une élection libre et transparente, la Commission électorale nationale indépendante CENI et les acteurs politiques ont entamé des échanges sur la relecture de la loi électorale. L'objectif visé à la fin de cette rencontre est de mieux préparer les prochains échanges électoraux avec la mise en place d'un organe unique. Propos recueilli Madina Traoré, Djakarija Dameli. Je pense que c'est très important qu'il y ait une relecture de la loi électorale, tout comme les autres réformes, notamment la réforme référendaire. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, le fait que les acteurs politiques décident de se mettre ensemble et de faire une relecture, c'est là, je pense, qu'est carrément un préalable aux autres activités qui viendront. Donc, que ce soit l'initiative du ministère de l'administration territoriale, qui d'abord avait organisé une rencontre où ils avaient appelé les acteurs de la société civile, les partis politiques, d'autres leaders d'opinion. Ils ont fait cette rencontre. C'était important de réfléchir. Et aujourd'hui, on a vu aussi que la CENI a organisé en son sein un atelier pour pouvoir faire une, pas forcément une relecture, mais quand même des propositions très concrètes permettant d'aller de l'avant. À mon avis, ça, c'est des choses qui sont très importantes et qui sont d'ailleurs très constructives. Moi, je pense que en 14 mois, la transition, elle peut encore faire organiser les choses convenablement. Et ce qui est certain, il faut prioriser. Si la transition décide de se focaliser sur les réformes majeures, notamment la réforme électorale, la réforme référendaire, là, ils ont tout à fait le temps pour pouvoir faire les choses comme il faut et pour pouvoir faire les choses de manière efficace. Maintenant, si la transition se donne d'autres feuilles de route, tout ce qui est mentionné dans la charte, si la transition décide de faire tout ça, dans ce cas, ça peut être un peu compliqué
d'organiser les élections de manière efficace, quoi. Donc, quoi qu'il advienne, le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a encore le temps de bien organiser les élections, si la transition se concentre sur ça, et également de le faire de manière vraiment inclusive, parce que souvent le problème qui se pose, c'est vraiment cet aspect, le fait que ce n'est pas suffisamment inclusif. Et surtout, la transition devrait énormément veiller, les autorités de la transition devront veiller à ce que ça soit participatif. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens ont malheureusement le sentiment que les choses se font tout seuls. Et ça, ça peut vraiment être des facteurs bloquants au niveau de l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées. Nous, ce qu'on s'est fixé principalement pour, comme objectif, c'est déjà d'accompagner l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, que ce soit ou encore les acteurs non étatiques, c'est de les accompagner déjà à arriver à des réformes qui soient les plus inclusives possibles. Et ça, très prochainement, nous allons organiser des activités allant dans ce sens-là, de sorte qu'on puisse vraiment avoir cet aspect. En deuxième lieu, notre travail va consister principalement à faire en sorte que quand aura lieu les élections, qu'elle soit représentative du pays, qu'elle soit inclusive des citoyens maliens et qu'elle soit libre, transparente et surtout qu'elle soit très apaisée. Moi, je pense que pour que les résultats soient acceptés par tous, il faudrait déjà au tout début faire en sorte que tout le processus soit transparent. Toute la difficulté réside à ce niveau. Dès lors que le processus est transparent et que le processus il est inclusif et participatif, il n'y a pas forcément trop de raisons que les choses se passent mal. Maintenant, ce qu'il y a au niveau du scrutin, le jour du scrutin, il faut aussi veiller à ce que les résultats puissent arriver à temps et puissent être traités à temps. L'ensemble des acteurs doivent jouer un jeu politique sain, de sorte que la transparence soit le maître mot. Maintenant, il y a un autre défi qui concerne certains, notamment les fichiers, le fichier électoral et surtout les nouveaux majeurs qui malheureusement n'ont pas voté les autres années. Cette année, il faut faire en sorte qu'ils puissent participer, il faut faire en sorte qu'ils puissent avoir leur carte et qu'ils puissent voter. C'est très important. Et ça ne se fait pas à la dernière minute, ça doit commencer dès à présent. Autant il y a des actions qui sont engagées pour les réformes, autant il faudrait s'assurer qu'il y ait des actions qui font en sorte que les jeunes participent, que les jeunes et aussi même les minorités puissent participer et voter. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont conditionner l'avenir du scrutin. Maintenant, une fois que tout ça s'est fait, moi je pense que on s'attend toujours au meilleur. Hein. Quand il y a une élection, on s'attend au meilleur. Et le meilleur, souvent, a besoin d'être conditionné suivant les règles de l'art. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, le climat politique est tendu. Hein. Ce n'est pas juste entre les hommes politiques et les militaires, mais je pense que c'est entre pratiquement l'ensemble des acteurs politiques. Et on peut tout à fait comprendre cela parce qu'il y a aussi un positionnement que chaque acteur essaye de faire. Mais notre boulot de travail, justement, c'est de faire en sorte que les différents acteurs puissent se parler. C'est de faire en sorte que la voix des citoyens puisse être entendue au-delà des intérêts partisans et que finalement on puisse arriver à une co-construction de l'État et des différentes activités. Et pour cela, il faudrait tout faire dès aujourd'hui pour que ce climat de méfiance, hein, malheureusement, qui existe et même souvent de défiance, il faudrait tout faire pour estomper ça, pour créer la confiance entre les acteurs afin d'arriver à des élections apaisées à l'avenir. Alors, votre mot de fin, s'il vous plaît. Ben moi, mon mot de fin, c'est de dire simplement que la réussite de toute réforme nécessite une inclusion, une participation de tous les acteurs, de tous les citoyens, et que une participation devrait aller au-delà de nos intérêts partisans, et ça devrait plutôt aller sur des intérêts du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est à partir de ce moment qu'on va construire une démocratie et que nos prochaines élections constituent un véritable tournant pour pouvoir parler de retour à l'état de droit, parce que malheureusement, si on ne retourne pas à l'état de droit, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir parler de démocratie.
La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp entrera en vigueur le 8 février prochain. Elle consiste à autoriser le partage des données des utilisateurs du service de messagerie avec Facebook. Selon Malik Konaté, blogueur, ce nouveau contrat a des avantages tout comme des inconvénients sur la vie privée des utilisateurs. Pour plus de détails, suivons-les au micro de Madina Traoré et Morlaï Touré. Fusion entre les deux réseaux, moi je pense que ça a des avantages quelque part vis-à-vis de l'entrepreneur parce que ça lui permettra de rentabiliser un peu ce que lui-même en question lui perçoit par mois et ça lui permettra aussi de réduire un peu le nombre d'employés qu'il va mettre en place. En même temps, ça lui permettra aussi de contrôler. Parce que celui qui arrive à avoir plus de données a plus de poids ou plus de pouvoir dans le monde où nous sommes. Surtout quand on regarde aujourd'hui sur Facebook, quand on regarde celui qui gère cela, dans les autres pays, surtout les grands pays tels qu'aux États-Unis, il n'est pas n'importe qui. Il peut bloquer même le président de la République, comme on l'a vu ces derniers temps, il a bloqué l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Je pense qu'avoir WhatsApp aussi, ça lui permettra aussi d'avoir toutes ces données et ça lui permettra aussi d'avoir un certain nombre de données à son niveau et un nombre de poids élevé. En termes d'inconvénients, c'est par rapport aux utilisateurs parce que quand on regarde sur WhatsApp, souvent, sauf si on est en contact avec la personne, sinon la personne ne peut pas regarder notre profil ni regarder notre statut. Et on échange avec des gens en fonction des gens de numéro. Par exemple, moi je connais quelqu'un, il a mon numéro, j'ai son numéro, on peut échanger à travers ça. Et aussi on peut créer des groupes entre nous, restreindre une famille. Mais quand ça va être fusionné entre les deux, peut-être que les données de WhatsApp aussi vont se retrouver sur Facebook. Et Facebook n'a pas de limites. Si je dis Facebook n'a pas de limites, Facebook n'a pas de restrictions comme WhatsApp, son nom l'indique. Mais ça a des limites parce que quelque part, tu vas retrouver tes messageries privées en public, raison pour laquelle d'autres ont décidé de quitter même immédiatement sur WhatsApp avant la date, avant le 8 février. D'autres aussi ont décidé d'y rester, mais voir éventuellement ce que ça va donner. Mais en tout cas, il y a des inconvénients parce que votre vie privée peut se retrouver sur la place publique, sur Facebook. Sur Facebook aussi, ça peut être partagé avec d'autres personnes. Bon, moi, je pense que ça a des inconvénients vis-à-vis des utilisateurs, mais ça a des avantages aussi parce que celui qui arrive à fusionner les deux a plus de poids, a plus de pouvoir devant lui parce qu'avoir la base de données de toutes, à pratiquement 1 milliard de personnes ou 2 milliards de personnes, c'est beaucoup et je pense qu'il cherche que ça, avoir un poids au niveau national, au niveau international. Ce qui a lieu de faire aujourd'hui, chaque pays peut créer son réseau social. Chacun, il faut que les autres, par exemple, Facebook ont commencé dans une université pour échanger, et aujourd'hui tout le monde utilise. Je pense que ce qui a lieu de faire, nous aussi, si on a peur d'utiliser WhatsApp ou Facebook pour ne pas trouver nos vies privées sur la place publique, que nos ingénieurs aussi nous proposent autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser WhatsApp ou Facebook pour nous permettre aussi d'échanger avec d'autres personnes dans le monde entier. Et aujourd'hui, si on arrive à avoir un réseau social malien qui peut donner même à des sites comme Facebook et WhatsApp, je pense que tant mieux. Mais dans les cas contraires, les gens sont obligés d'utiliser ou aller sur d'autres plateformes. C'est la même chose. Une fois que les autres plateformes, parce que c'est quelqu'un d'autre qui utilise, il a la base de données et il peut utiliser comme il veut. Aujourd'hui, on peut dire que oui, il y a un certain nombre de sécurité, comme on dit signal. Mais signale aussi, il y a quelqu'un qui est derrière. Et cette personne a déjà la base de données. Et cette personne aussi, il peut partager comme les autres. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir notre propre réseau social. Même là aussi, il y a des inconvénients. Même le téléphone que nous avons, ça a des inconvénients parce qu'il y a un opérateur qui est derrière, qui écoute. Souvent, les appels passent, les SMS passent. Je pense que dans toute chose, il y a des inconvénients. Mais pour parler à tout ça, pour que nous puissions vraiment réduire le maximum possible, que nous-mêmes nous arrivons à avoir notre propre réseau social ou créer un réseau social là où on va payer. Parce que ces réseaux sociaux aussi sont des réseaux qui ne sont pas payants, sont gratuits.
Et l'utilisateur gagne comment? C'est à travers la base. Celui qui arrive à avoir une base de données, il a déjà quelque chose. Et je pense que nous aussi, on doit avoir le courage d'avoir un réseau social qui est payant et que les gens vont acheter. Et quand un jour viendra, tu trouveras aussi tes données sur la place publique, tu vas te plaindre quelque part parce que tu as acheté et qu'il y a des garanties aussi. Je pense que c'est la meilleure solution. Mais une fois que c'est gratuit, voilà, on peut s'attendre à tout. Et tout ce qu'on partage aujourd'hui, ça peut se retrouver demain contre nous. Et faire attention, ces réseaux sociaux sont là pour nous permettre en fait, d'échanger avec le monde, mais ils ne sont pas là pour dénigrer ou pour partager la vie privée de quelqu'un. Je pense qu'on doit utiliser à bon escient pour que nous puissions profiter le maximum possible. Parce qu'à un moment donné, on avait des difficultés pour avoir quelqu'un, il faut se déplacer. Et pour voir un ami qui se trouve au Azerbaïdjan, il faut se déplacer ou envoyer une lettre ou quelque chose. Mais aujourd'hui, on a un réseau qui nous permet vraiment d'échanger en direct. Je pense qu'on doit profiter et faire extrêmement attention. Tout ce que nous partageons, tout ce que, même souvent, c'est partager un simple bonjour, ça peut se retourner contre nous un jour. Donc, on doit mesurer et réfléchir deux ou trois fois avant de partager quelque chose. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision. Jean.